faire un hommage à Madame Triaco. On y va. C'est parti. Oui, c'est parti pour le Radio Crochet 98, mené de main de maître par Marc Jésus-Pré. La troisième édition de ce concours de chansons se déroulera dans 14 sites différents. Les chanteurs amateurs, chanteuses de tout âge, de tout poil, peuvent venir se présenter, représenter leur village au départ. Après, ils représenteront leur région, la Salanque par exemple pour la première, les Aspres, le Ribéral, etc., toutes les autres aussi. 140 candidats déjà inscrits pour 60 communes concernées. Une formule à succès enrichie cette année par une deuxième partie spectacle assurée par MJP, Marc Jésus-Pré lui-même, et sa toute nouvelle compagnie Made in France. Ces personnes qui étaient chanteurs amateurs précédemment sont devenues professionnelles, font partie intégrante de cette compagnie Made in France et proposent une soirée en hommage à la chanson française, un spectacle de demi-heure avec notamment un superbe medley Edith Piaf et un final magnifique. Alors, de cette droite. Une belle machine musicale au service de l'animation en milieu rural, coup d'envoi demain à Toreil, finale au profit des Restos du Cœur le 16 mai à Perpignan. Souviens-toi, la star de ces années. C'est une chanson médicale. Ça sent bon. Elle s'appelle La Nuit. La nuit, comme dit mon ami Jackie, tous les chassons. Du haut de mon balcon, je regarde la ville qui s'éteint tout en rond, juste tout de mon île. 2 heures du matin, la lune immobile de son plein d'œil coquin révèle ses utiles. Derrière les volets, j'imagine les gens qui toute la journée jouent à faire semblant et qui la nuit venue, oubliant tout le reste, c'est maintenant pour voir plus où pleure leur détresse. Et tu la libères si tu sais regarder ce qui est à tout près. Regarde la fille qui use ses talons sur le trottoir qui brille. Il ne fait pas un temps à mettre un chien dehors. Et pourtant cet enfant trouve à vendre son corps. Mais que la vie est belle et tu sais regarder ce qui vit à tout mal. Et tu sais écouter. Sûrement, elle se réveillera.
maman qui sera le papa d'un bel enfant gentil, fruit de leur grand amour. Un matin lui a promis une voyante un jour. Et que la lune, oui, tu sais regarder ce qui est autour d'elle. Si tu sais écouter, et que la nuit est belle, oui, tu sais regarder ce qui est autour d'elle. Si tu sais écouter. Deux belles finales ce soir. Et que des belles finales.